Welcome to your favorite channel, Jomo Kevin TV. Please, kindly hit the subscription button so that you miss no episode. Subscription is free. In 1980, Canon Football Club of Yaounde created an unprecedented record in the African Club Champions Cup competition by defeating one of the giants at the time, AS Bilima of the Democratic Republic of Congo at the time, Zaire, 3-0 in Kinshasa. This match and its result swept across the Congo and the continent at large like a hurricane. Bom Ephraim, player of Canon of Yaounde at the time, now tells this story in Kinshasa. Nous sommes partis de Yaounde un jeudi. Nous sommes arrivés jeudi. On nous a logés en plein centre-ville. Mais le climat était malsain. Parce que si les écrans ne faisaient que nous montrer, et les 4 buts qu'ils ont donnés à l'Union, machin, ceci, cela. Nous sommes dit, mais ces gens-ci, ils savent que nous n'aimons pas ce genre de truc. Nous, du Canon, nous n'aimons pas. Le spectacle pareil. On a appelé, on a dit à l'ambassade d'appeler le gouvernement, lui dit que nous ne sommes pas bien en plein centre-ville là où nous sommes. Qu'il nous cherche un endroit où nous serons plus tard, lui préparer le match. C'est là qu'on a que l'ambassade a obtenu la location de la Cité de la Paix. Une cité qui était construite pour accueillir les membres, les hôtes de grande valeur. On nous a trouvé un logement là-bas, resté dans des petits studios. Bon. On se retrouvait chez l'ambassadeur pour manger. Et vous êtes parti au stade le jour là avec cette foule au stade. C'était comment? C'était une finale. Bon. Nous nous étions habitués au final. Peut-être que Bilima n'était pas habitué. Oui, parce que nous, une finale, c'était une finale. Nous voulons entrer avec le bus, on nous dit qu'on entre avec le bus. Donc, être superstitieux, c'est dangereux. Les gens croyaient, eux, ils croyaient que le canon portait quelque chose. Il y a un truc. Nous arrivons au stade. On trouve le stade entouré de gens courts, de nains comme ça, bien rouges, partout au stade. On a l'échauffement. On nous limite l'échauffement. On ne doit pas aller là où Bilima s'échauffe. Nous, on a traversé. Nous sommes allés là où Bilima s'échauffe. Ça commence à faire des problèmes. Lancer des tomates. Psychologiquement, ils avaient déjà tué. Parce que nous, le football, c'est sur le terrain. Oui. Bilima, 90 minutes, a joué 15 minutes après. C'était fini. Et quand Manga a commencé à marquer le but, c'était comment? En principe, Manga marque son but en début de seconde mi-temps. Par exemple, fait, la première mi-temps, on est 0-0. Et tellement, ces gars ont travaillé, ils étaient déjà fatigués, ils étaient morts. Donc, un jour, la seconde mi-temps déroulait. Il n'y avait plus une équipe en face. Vous rendez compte, Manga qui ne court pas. Mm-hmm. Deux dégagements de cône aux deux buts. Manga qui ne court pas, qui ne courait pas à l'époque. Parce que avec ses accidents et tout, mm-hmm, il n'avait que le placement et la foi. Non. Et après le match, on a vu les maillots de AS Bilima avec les joueurs de Canon. C'était comment après le match, quand vous avez eu le trophée? Parce qu'au match aller, comme on dormait dans le même hôtel, ces gars nous ont laissé dormir. Et vous êtes vieux, vous êtes vieillissant, nous sommes jeunes, machin, ceci, cela. À la fin, ceux qui pleuraient, mais nous on les consolait. Donc il fallait changer le maillot. Et montrer que bon, nous, c'est dans le stade. Après le match, ce n'est plus ça. On est des sportifs. C'est changer de maillot. Et vous êtes rentré le même jour? Le même jour. On ne pouvait pas dormir. Le président voulait nous voir le lendemain. On vous a décoré? Oui. On vous a reçu au palais? Au palais, à l'ancien palais. Ouais. Et cette réception, c'était comment, Ephraim? Vous savez, à l'époque, le président, c'était une réception pour tous les sportifs du Cameroun.
c'est-à-dire que les handballeurs, tout le monde était confondu. Exact, tout le monde. C'était non. D'abord que le matin, quand on présente la coupe, on fait le tour de Yaoundé. À notre grande surprise, arrivé au niveau du palais, le président est sorti, était au bord de la route avec toute sa famille. Nous sommes arrêtés. Là devant le palais, nous sommes arrêtés. Il nous a félicités. Il a dit, je vous attends le soir à 17h. Une fête terrible, terrible. On vous a donné combien, le chef de le président Amamadou Ahidjo? On vous a donné combien? À l'époque, il y avait quand même une prime. Parce qu'il a donné à Jacques Joran 1 million de francs. À l'époque, il y avait une prime pour la victoire. Il a donné à Jacques Joran 1 million de francs. Bon, ceux qui n'ont pas participé, chacun avait 200 000, 300 000, imagine, mais ceux qui ont joué 1 million de francs quand même.